Bonjour à tous, bienvenue dans mes vidéos. Parce qu'il vaut mieux 5 minutes que rien du tout. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement assez intensif. Point de vue abdominaux, point de vue arrière de cuisse. Attention, donc le niveau, ça va être du costaud. Pour notre exercice d'abdos, on va se mettre dans la position de la planche avec les jambes sur le ballon. Okay. Donc, je peux partir, soit je me lance dessus. Maintenant, ici, mon tapis est un petit peu court. Donc, moi, je vais plutôt partir d'une position à genoux où je pose mes mains et retendre les jambes. Okay. Attention que plus votre ballon est en dessous de vos genoux, plus vous serez soutenu, plus vous allez mettre le ballon loin près des pieds, plus vous serez en instabilité, donc plus vous aurez tendance à cambrer et à pousser le ventre en avant. Essayez donc de bien vous repousser dans le ballon, de bien vous repousser dans le sol et de placer votre position. Okay. Si vous sentiez que ça ne va pas, il faut revenir un petit peu en arrière pour replacer le ventre. Ici, on est en gainage tout le temps. Okay. Donc déjà, rien qu'en statique, ça travaille. Mais on va augmenter l'intensité, on va ramener le ballon. Donc, on peut ramener le ballon avec les deux jambes, ok. Aujourd'hui, on corse encore un petit peu les choses, on va ramener le ballon avec une seule jambe. Donc, j'ai un travail de stabilité au niveau des hanches, ok. À l'expiration, je ramène le ballon, je retends sans relâcher le ventre, ok. Je suis dans une respiration postale basse. Bien souffler, aller-retour. Ok, pareil de l'autre côté. Et pour revenir, soit je fais marcher les mains, soit je reviens simplement un petit peu dans cette position-là, ce qui relâche les poignets, le ventre, le dos. Notre exercice suivant, tout aussi costaud, mais tout à fait une autre zone musculaire, donc ça va être ici sur l'arrière du corps. Okay. Donc je pars avec mon ballon près de moi, je repousse les deux pieds dedans. Okay. D'abord bien se grandir, replacer les épaules, et puis je retends les jambes. Okay. Je pourrais, comme pour l'autre exercice d'abdominaux, faire simplement aller-retour avec les deux pieds. Simplement ici, on corse les choses, j'enlève une jambe et je ramène. Ok, mes épaules restent bien en place. Je souffle et je ramène. Ok, j'ai aussi une stabilité au niveau du bassin à avoir. Plus mon ballon est en dessous de mon mollet, plus c'est facile, entre guillemets, ça reste quand même costaud. Si vous avez mal aux genoux, je vous conseille justement de ramener un petit peu le ballon vers vous. Plus le ballon est en dessous du talon, puis c'est costaud parce que je vais augmenter mon instabilité. Ok, pareil. Ok, puis je redescends et je reviens. Si vous sentez que vos crampes arrivent, ce qui est possible, petit étirement court, simplement pour rendre la longueur au muscle qui est ici un petit peu rétréci. Hop, étirement court de quelques secondes et on repasse dans nos abdominaux. N'essayez pas de faire des séries trop longues parce que vous allez voir que c'est quand même costaud. La perfection ici, ce sera justement d'arriver à avoir un très bon geste, une bonne position. Okay. Ces exercices-ci sont déjà relativement costauds, même en statique. Donc quand on les remet en dynamique, c'est évidemment plus difficile. Okay. Donc je pense qu'au départ, si vous dites 5, chaque fois, c'est déjà pas mal. Donc 1, 2, 3, 4. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc ici, j'avais déjà fait la série d'avant. Donc on peut se dire, par tranche de 5, on en fait 2 ou 3 tours. Pareil, hop, sur le dos. Là aussi, pareil, si vous commencez avec 10-15 répétitions, vous allez sentir quand même l'arrêt de vos cuisses. Maintenant, c'est tout à fait faisable aussi. On va rester dans l'esprit qu'on fait par tranche de 5 et qu'on répète. Donc, hop, je monte. Maintenant, si vous êtes d'un niveau avancé, c'est clair qu'on peut aller dans les 15 répétitions. 4, 5, que je peux évidemment augmenter et que je peux augmenter de difficulté en mettant le ballon plus en dessous du talon. Oups, je monte. Mes épaules restent en place. Et je termine en réallongeant bien la colonne avec un petit étirement court. Voilà, c'était court mais c'était intensif. N'oubliez pas que la position est vraiment très importante. Aussi qu'on n'y arrive peut-être pas au début, qu'il y a d'autres vidéos sur ma chaîne avec des exercices d'abdominaux, même avec ballon, qui seront peut-être plus adaptés pour vous. Si vous avez mal au dos, ce n'est absolument pas bon signe. Si votre ventre relâche, bien évidemment non plus, vu qu'on essaie de rabattre le ventre.
Ne perdez pas courage tout de suite. Au début, je n'aurais pas su les faire non plus après les 3 grossesses. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend surtout du temps en conscience de son corps, savoir si on arrive à bien respirer, savoir si on arrive à garder le ventre bien rentré. N'empêche, ça donne ses résultats et c'est très encourageant de voir qu'on peut comme ça augmenter de niveau. Je vous remercie pour votre fidélité, j'espère que vous allez partager ma vidéo. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Facebook comme me retrouver sur YouTube et bien sûr venir me rejoindre au cours, plus d'informations sur mon site. Merci, ciao ciao.